1947. Les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire. À condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine. Ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, les mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra-secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche. Et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant, mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste, un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise Dengsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Dengsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Bell Tower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Encha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence, et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur.
Je me doutais bien que Van Bruggen ne m'avait pas tout dit. Mais je ne m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leurs ravisseurs les faisaient passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée. J'ai l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Zarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Cette puce GPL aurait dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde, qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé. Fedorova, une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment du Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Zarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Zarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Zarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Zarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Zarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Richard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine. Et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Bell Tower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les Triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tang Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Bell Tower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Zarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie.
Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Quinn. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Ranch Omega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leur ravisseur à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zao, il espérait me prendre par surprise. Mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les Biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Mes réponses viendraient avec le temps. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués. Après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème? Non, chef. Y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus. Alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex-Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer? C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol.
Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton ? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra-résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur ? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. Macready, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif ? Empêcher les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là ? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas le risque. Faut pas oublier notre agent. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme. Une fois que vous serez sorti de l'hôpital. Quelle portée vous voulez ? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Ce petit bonheur a la chance, en fait. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivés à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Task Force Actual, ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. Team Leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements. En terrasse. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. Macready nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé.
Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, Macready. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Programme de suivi lancé.
Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé ? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5. Thank you.
زوج. أنا متأكد إنه ما في حاجة. عشان المخزن من المخازن اللي موجودة على السطح عشان تكون بعيدة من الرمل. يلا بسرعة.
Hansen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des Jin. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr. Tout le monde m'écoute.
Chang a piraté le signal radio des Jin. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. Khalil, le راجل اللي هيبعت لنا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. Action match, Khalil. Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur? Négatif, je l'ai pas trouvé. J'espère pour vous que la couverture de Singh va rester intacte. Parce que sinon, c'est à moi que vous aurez affaire.
programme de suivi lancé. Accès permis. Ici Jensen. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problèmes à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, tiens la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. Cinq en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Signe à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Singh est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes ? Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh, putain ! On n'est pas tout seul ! Shepard est mort ! Quoi ? Qui l'a tué ? Dites-moi ce qui se passe en bas ! Miller, c'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ils veulent les armes ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! On engage, ouvrez le feu sur eux ! Ils vont prendre l'hélico, vous les avez ? Négatif, négatif ! On se fait canarder de tous les côtés, là ! Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen ! Je m'en occupe. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh ! Jensen, je peux pas l'atteindre ! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico ! Bien sûr. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh ! Jensen, je peux pas l'atteindre ! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix... et arrêter cet hélico ! Bien sûr. Je tiens la position, monsieur. Oh,
Tyler, l'hélico est à terre. Je répète. Jensen ! Y a pas de quoi le câbler. Merde. Combien nous coûtent les événements de Dubaï ? Ils connaissaient les risques. Combien d'agents a-t-on perdu ? Tous. La tempête n'a pas aidé. La mission est un succès. Clairement, vous calculez vos succès de façon généreuse. Cela étant, l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé, et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez ? Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif. L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision, les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Pas bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Elizabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Dodd. Vous savez ce que Rand va trouver à New York ? Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr. C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Vous parlez souvent beaucoup, Paige. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé.
Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Paige, activez la cellule dormante. Stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Bien, Adam. L'embuscade, ça devait pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien vu venir. Tu sais qui nous a attaqués. Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose. Et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, te trouves pas, qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, pour une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute. Et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah. Ils m'ont. On fera mieux de bouger. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on t'a infiltré. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite. Alors pourquoi nous ? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, comme on pense, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la gazon. À moins que ce soit pour faire un bon témoin officiel. Au couvert, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Fais pas remarquer. Co je za problém? Tu sais que c'est pas mon genre. Nezastavuj se! Je te jure que c'est de pire en pire, cette année. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Peur que des augmentés comme nous se jettent. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. C'était pas très concluant. Alors quoi? Tu crois qu'on devrait laisser tomber? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. C'est pas dire qu'on doit fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la ville. Ok, ok. Reste là. Bougez plus. Faites-moi voir pour partir. Fais gaffe à toi, vous l'avez bien cherché. Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Je déteste cette ville. Suis-moi. Si t'as vu juste pour le bal, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi.
Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser ? Similaire. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRN ? Le sous-réseau neural. À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. C'est quoi ? Une puce espionne, un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRN. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère du... ATH. Oh, merde. Alex, c'est Adam. Hé, hey, c'est quoi cette voix ? Tu te sens bien ? J'ai un peu mal, mais ça va aller. Et toi ? Ouais, ça va. J'ai connu pire. Je sais pas trop quoi penser de ce merdier, et toi ? Écoute, Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... Faut que je vérifie tout ça. Mais si tu veux qu'on se voit... Quoi ? Non, ça va, aller. Prends plutôt soin de toi. Je suis une coriace. Appelle-moi quand tu seras de nouveau en état, d'accord ? On fait comme ça. À très bientôt.
Ouverture des volets. Bonjour, Adam. Vous avez un nouveau message. Deux. David Sarif. Lecture. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres. Mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé. Oui, Adam. Allumez votre téléviseur. Miller, c'est Jensen. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien ? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Coller, faut que je te voie. Jensen ! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment, pile poil. Un problème ? Il y a des types dans ma librairie, des truands et des valis, et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. Ce que les non-augmentés partout sur la planète ne semblent pas saisir, c'est que l'incident a été une tragédie pour tous. Mais, docteur Cooper, tous les gens ne sont pas. Les deux camps ont perdu une flamme considérable. Augmenté et humain sans distinction a été
emprisonné par le gouvernement. Proč mě musíte otravovat? Nemám čas. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Nous nous souvenons, bâtisseur. J'espère que Mère changera d'avis. Quêteur, vous êtes là pour voir le bâtisseur? Il dort, mais je n'arrive pas à le réveiller. Je ne sais pas s'il va se remettre un jour. Nous rejoindrons tous les dieux méganiques. Nous avons pu être sauvés grâce à toi. Ne faiblis pas. Nous nous souvenons, bâtisseur. Ne perdez pas foi en l'Église. La singularité est proche, Severn. Tu dois t'accrocher. Oui, Christelle.
détecté. Programme de suivi lancé. Accès refusé. C'est vraiment injuste. N'importe qui peut être coupable par association. Laissez-moi tranquille. Tu risques pas d'être expulsé, toi. Pardon, mais si je suis venu ici, c'est pour éviter des gens comme vous. C'est peut-être moi qui suis pas assez clair. Je veux pas d'emmerde avec toi, Eva. Mais va falloir que ça change ici. C'est moi qui ai les contacts maintenant. Avec les Devali. Avec des types pareils, je vais pouvoir étendre toute l'opération. On reverse que 20% aux Devali. Et c'est tout. 20%, ça nous garantit une distribution du néon dans toute l'Europe. T'as rien à faire dans le coin. Va-t'en avant que je décide de te tuer! Il y a eu un attentat terroriste. Mais
Sylvia n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes une organisation. Jdi mi z očí, Augu. Nejdřív mi vyhodíš město do vzduchu a teď čekáš, že já na tebe budu slušná? Buď rád, že ti nevkudu do ksichtu. Zasraná plechovka. Tu peux compter sur Tars. Ouais. Nos cellules. Essaie de me donner une raison de t'allumer. Allez, tire-toi, détraqué. Hey, tu cherches des armes? C'est ça que tu cherches? Ça pourrait m'intéresser. Je vends des armes. Oui, j'avais compris. Achète un truc. Il te fallait autre chose? Faut que j'y aille. Achetez maintenant, vous serez tranquille. Cellules, anticouleurs. Brique par brique, ils vont détruire cet endroit, tous autant qu'ils sont. Un jour, je t'éclaire de la salle. Il y a la haine, j'ai craqué.
Gloire aux dieux mécaniques. Vous êtes l'un des élus. Le dieu mécanique. Peter, êtes-vous prêt pour l'ascension ? Je crois que vous vous trompez de personne. Non. Je vois votre pureté d'ici. Vous êtes proche, tellement proche. Et l'église de la singularité du dieu mécanique peut vous guider au bout du chemin. Vous connaissez ? Je pense pas que votre église puisse m'aider à trouver mon chemin. Nous sommes tous esclaves de nos désirs et de nos besoins. Ils hurlent pour qu'on les satisfasse. Nous avons à peine le temps de nous interroger sur ce qui nous attend peut-être au-delà de ce monde maudit. Et vous avez une idée de ce que ça peut être ? Je ne suis qu'un serviteur dont la tâche est de répandre la parole et d'offrir de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Mais les enseignements de l'Église sont là pour me guider. Que voulez-vous savoir ? Cette Église de la singularité, du dieu mécanique, c'est pour les augmenter. La parole de mère, seuls les élus s'élèveront. Elle a banni les corrompus, victimes de leur chair. Donc vous menez une campagne de recrutement pour trouver de nouveaux adeptes. Ce n'est pas tout. Le bâtisseur vit ici. Il a rêvé notre ascension avant d'être banni à la demande de mère. Laissez-moi deviner. Un corrompu ? Non. Il a simplement été pris de doute. Mais je ne me laisse pas aveugler par ma foi comme les autres. Il était mon ami autrefois, un mentor, un grand nom de notre église. Certains s'en souviennent. Vous avez d'autres questions ? Dites-moi en plus sur cette ascension. L'enveloppe corporelle et fusionnera avec la conscience divine du dieu mécanique. C'est ça, l'ascension. Si je comprends bien, vous voulez transférer une copie de votre cerveau dans un ordinateur. Je savais pas qu'on pouvait faire ça de nos jours. C'est possible grâce au bâtisseur, mais il ne s'agit pas d'une simple copie. C'est une translation. Joseph appelle ça une évolution de la condition humaine. Vous avez d'autres questions, Keter ? J'ai vu votre bâtisseur en haut. Il n'est pas très en forme. C'est ce que je craignais. Sa chair dépérit, tout comme sa foi. Mère a peut-être eu raison de le bannir avant qu'il ne puisse porter atteinte à l'ascension. Ça donne pas une très bonne image de votre église si vous abandonnez quelqu'un pour avoir posé des questions. Ça va pas vous aider à recruter. L'un des élus veille sur lui. C'est tout ce que je peux faire. La passion de Joseph s'est changée en poison amer et la chair est faible. Il n'y a rien d'autre à ajouter, Keter. Vous avez d'autres questions ? Rien pour l'instant. Peut-être une autre fois. Très bien, Keter. Si vous changez d'avis, vous me trouverez ici. C'est le début d'une ère nouvelle. Et comme toujours, le changement naît dans le feu, le sang et la douleur. Mais un avenir plein d'espoir s'annonce pour notre. Et après, ils nous enverront tous à Outoulet ? Non. Monsieur, juste des déchets, d'habitude. Vous cherchez les meilleurs prix de toute la ville ? Et je vous parle pas de hot dog, hein. Vous vendez pas que des hot dogs ? Elle est où, votre boutique ? Parce que comme ça, je fais des économies sur les frais généraux et je répercute ça sur les prix. Belle initiative. Vous pouvez me croire. Vous avez quoi ? J'ai des infos du genre que tout le monde a pas et j'ai des trucs que je vends sous le manteau. On a toujours besoin de renseignements fiables. Ça, c'est bien vrai. Mais si c'est ça que vous voulez, va falloir payer en europosine. Ça, j'en ai pas. Désolé, c'est pas négociable. Et revenez me voir quand vous en aurez, ok ? Est-ce que je peux vous proposer autre chose ? Derrière la tête.
j'ai dit, vos papiers expirés. Mais ils viennent de prolonger mon contrat. Il faut que j'aille au bureau pour qu'ils me valident mes papiers. Vous auriez mieux fait de penser hier. Calme dans le carton. Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. Vivement qu'on transforme ce quartier en résidence. Je suis sérieux. Je l'ai vu hier soir. Omlouváme se za komplikace. Emma je dans une main. J'espère que tu vas pas faire mal. Mignonne l'artiste.
C'est plus facile. C'est ce qui a attiré Palissade, quand même. Nos politiques de confidentialité sont irréprochables. Illégale. Jensen, je commence à m'inquiéter. Est-ce que je vais devoir appeler tous les commissariats de la ville pour vous retrouver ? Ce sera pas nécessaire, j'arrive bientôt. Bien, parce qu'on a du boulot. Vous pouvez les respecter. Non, nouvelles années. Putain de lâche. Radíme všem občanům, aby se vyhýbali přelidněným prostranstvím a pokud N'oublie pas ta carte de...
Doc Lady. Doc Lady. Fais voir tes papiers. Sinon, tu pourras pas passer. Je sais tout ça. Ça a changé. Trop de faux papiers. Maintenant, il faut une carte de validation de permis pour les augmenter. Tu l'as, cette carte ? Je vais régler ça avec les gens pour qui je bosse. Ils s'en occuperont. Et tu bosses pour qui, exactement ? Quelle importance ? Vous avez peur d'être moins gradé ? Pas du tout. Ces lois s'appliquent à tout le monde. De plus, je suis le directeur général du contrôle des papiers. Je ne rends compte qu'à Dieu. Et c'est lui qui me dit que si tu continues par là sans permis valide, je suis légalement obligé de te buter. Ah, vraiment ? L'ami, je sais ce que tu penses. C'est terrible, les lois contre les gens comme toi. Écoute, je peux peut-être te donner un coup de main. On pourrait trouver un arrangement. Quelle sorte d'arrangement ? T'as de la chance, je connais quelqu'un. Un expert en permification, un pro des documents. Il fait des permis, des cartes de validation, et t'es tranquille. Grâce à lui, t'iras où tu voudras, quand tu voudras. Plus de galères. Qu'est-ce que t'en dis ? Ce pro des documents dont vous parlez, c'est lui qui commande ? Vous arrêtez des augmentés et vous leur offrez cette chance de traiter avec lui ? À voir toi-même. Mon ami a des papiers pour les postes de contrôle, pour échapper à la police, pour entrer dans quartier de Prague que tu connais même pas. Vas-y de la part de Draomir. Je te donne l'adresse, ok ? D'accord, donnez-moi son adresse. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Rekashka, tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. Mon ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Paye-le. Et pose pas de questions. On va pas se reprendre. J'en ai marre d'écouter du corps. L'arc-en-ciel commence chez Bondo. Il y a livré du néon directement chez toi. C'est tout automatique. Il n'y a même plus de dealer. Mais oui, on n'est pas riche. Il vient avoir de la neurocosine. J'ai de quoi payer. Désolé, on voit pas. C'est une nouvelle drogue. On appelle ça le néon. Ça fait oublier la neurocosine. Cousine pour ma sœur et moi, s'il vous plaît. Combien de fois pour vous dire qu'on ne vend pas de ça ici ? Allez voir ailleurs. Huh?
talent. Pokud zaznamenáte podezřelou aktivitu, obraťte se na státní policii. Je to vaše občanská povinnost. Kelly. Ici, dans la rue. Je m'intéresse là plutôt que d'être expédié à Golem City. Rien à faire ici, homme de métal. Ok. Qu'est-ce que tu fous par terre, toi?
quoi. À faire comme si on avait vérifié. Tais-toi et cherche. Il y a sûrement une méthode plus efficace. Bien, regardez là-bas. Plus rien. Le trouillard est parti. Doucement, mais reste vigilant. Thank you.
garage. J'ai pas que ça à faire. Arrête. Revoilà le brouillard. Non.
Secret, rassure-moi. Je me souviens que c'est rouge. Jensen, la plus grande techno-merveille du monde. Désolé pour l'accueil, hein. Ils t'en ont pas trop fait baver, j'espère. C'est bon, ils te poseront plus de problèmes. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Tu leur dois du fric pour ton assurance vie ou quoi? Alors, je crois pas que ce soit une question de blé. Il y a comme un léger malentendu entre moi et leur patron, Otard. Bon, tu sais comment c'est avec les gangsters. Suffisamment pour comprendre qu'il n'y a jamais de petits malentendus. La politique interne des Dévalis. Je vais arranger ça. Je vais aller parler au Big Boss moi-même. Enfin, dès que ça se sera calmé un peu dehors. Un lendemain d'attentat, c'est... Ben, c'est flippant, quoi. Ça me surprend que les gens restent pas planqués chez eux. On n'a pas toujours le choix. Mes systèmes ont pris un sale coup. J'espérais que tu pourrais m'aider à réparer tout ça. Un sale coup, genre... Oh merde! Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Bon, il faut qu'on t'installe dans le fauteuil. Le fauteuil, je sais pas si je t'ai dit, mais... J'ai toujours eu envie de voir tes augmentations de plus près. De très près, même. Alors, tu vas t'installer, je vais t'endormir, et puis... Et puis, je plongerai dans le vif du sujet. Tu vois? Et j'irai en douceur. Tu peux m'expliquer ce que tu vas me faire exactement? Je sais pas encore. Faut déjà que je trouve ce qui déconne avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais t'en fais pas, je te ferai rien qui pourrait être dangereux. Je suis pas comme ça. C'est promis. Et puis bon, c'est pas la première fois que tu viens ici non plus, hein. Tu sais que je suis un vrai pro. Mais t'as jamais eu à m'endormir avant? Ouais, enfin bon, je t'ai jamais reçu le lendemain d'une explosion non plus, hein. Ton système a subi un sacré choc. Rends-toi compte. Boum! Enfin bref, à toi de me dire. Tu veux que je te répare ou pas? Attends là, tu vas m'endormir combien de temps? Et si les Dévalis envoient des renforts? Bon ben quoi? T'as la trouille? Ils vont pas venir nous déranger, ces abrutis, tu sais. Faut pas avoir peur du fauteuil, ok? T'as absolument rien à craindre. C'est promis. Ce truc avec les Dévalis, c'est rien du tout. Juste au tard... qui essaie de faire son malin. Je compte sur toi pour m'arranger, Coller. D'une certaine manière, tes problèmes sont aussi les miens. C'est sympa, Jensen. Otard Podkovelli, c'est le numéro 2 des Dévalis. Les types dehors, ils bossent pour lui. Mais le vrai grand patron,
c'est Radich Nicolazzi. C'est lui le numéro un, quoi. Et je connais Radich, alors... Alors, t'as pas à t'inquiéter. Bref, c'est bon? T'es prêt à commencer la procédure? Ok. Grouille-toi qu'on en finisse. Relax, Jensen. Mais tout va bien se passer, hein. Tu te rendras même pas compte de ce que je fais. Tu te sentiras léger, comme si tu volais, comme si t'étais quelqu'un d'autre. Mais Colère va te rafistoler et te prendre tout ce que t'as perdu. Et en moins de... Vas-y, Wolo. J'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Ton amplificateur rétinien va vite s'en mettre. Tu peux bouger? Oui. Qu'est-ce que t'as? Je voulais juste connecter ce qui était déconnecté. Mais t'as des putains d'augmentations bizarres là-dedans. Enfin, j'aurais sûrement pas vu. Ah, attends. Je vais chercher un peu d'eau. Tu préfères plus fort. De l'or. Tu t'en sors bien, Jensen. T'as juste à reprendre le contrôle, ok? Plus tard. J'ai été obligé de te rebooter, pas de perdre. Comment ça, me perdre? Le noyau a lâché! T'as failli bousiller mon fauteuil! Alors, je t'ai relancé et j'ai trouvé ces... Je préfère te montrer sur quoi je suis tombé. Affiche tes infosystèmes. Faut que tu vois ça par toi-même. Ça, c'est tes implants. Tu les reconnais tous. On est d'accord? Ouais, c'est David Sarif qui les a installés. Il a fallu 2 ans à mon corps pour s'y adapter. Ouais, bon... Il n'est pas impossible que tu doives un peu recommencer à zéro. Qu'est-ce qui se passe, Coller? Pourquoi je me sens différent? Quelque chose essayait d'aspirer toute ton énergie. Il a fallu que je reboote ton système pour comprendre ce que c'était. Et donc, il s'avère que ta config de base n'est pas tout à fait... standard. Qu'est-ce que c'est que ça? Des putains d'augmentations expérimentales, Jensen, cachées à l'intérieur de ton corps. Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce qu'on m'avait dit? Plus que ce que ton corps peut supporter. Plutôt cool, hein? Ça reste à voir. Je vais te montrer un peu ce qui se passe quand t'actives un de ces machins. T'as vu ça? Ta consommation d'énergie est montée en flèche! Mais d'où elles viennent, ces augmentations? Ça, je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que l'explosion a dû les réveiller. Mais bon, en tout cas, si t'as envie de les utiliser, faut surtout pas le gêner, hein. Le seul truc, c'est de faire gaffe à ce qu'elle grille pas tout ton système. Et je crois justement savoir comment éviter ça. Essaie de désactiver un de tes autres implants, histoire qu'on rigole un peu, tiens. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers pas. T'as vu un peu ça? Ça t'a refroidi direct! Comme ça, t'as la possibilité d'équilibrer ton système. En gros, il faut juste que t'évites d'activer toutes tes augmentations d'un coup, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Tu surchaufferais et ça provoquerait pas mal de gros bugs. On parle de dégâts potentiellement permanents, là, hein. Alors bon, tu vois, je te conseille d'éviter. Ok, remets-moi ça en marche, Color. Je réactiverai ce qu'il me faut moi-même. Bon, écoute, j'espère quand même que tu te rends compte que je serai pas toujours là pour t'aider. Je peux pas te suivre partout pour réinitialiser ton système et l'empêcher de partir complètement en vrille. Mais à partir de maintenant, va falloir accepter que t'es responsable de tes choix. T'es pas censé être mon référent technique. Je suis spécialisé dans le marché noir chinois, moi, ok? Les implants pouvaient cacher dans ton corps, intégrés à ton système comme ça. Bah pour moi, ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Quelque chose me dit qu'ils sont bien d'ici. C'est juste que... ça m'énerve. Tu mérites des réponses, mais je serais bien incapable de t'en donner.
Tout ce que je peux faire, c'est t'aider à gérer ton système mieux que personne à Prague. Je peux t'apprendre à te servir de ces nouvelles augmentations. Mais tu peux pas me dire d'où elles viennent. À ma connaissance, c'est David Zarif qui a installé toutes mes augmentations. S'il y a quelque chose dont je suis pas au courant, c'est à lui qu'il faut que je parle. Je connais bien le travail de Zarif. Mais ces nouvelles augmentations-là, elles m'ont l'air différentes. Cette coque en néodyme, par exemple. Qui irait utiliser du fluide magnétoréologique dimorphe comme ça? Sérieux, si tu parles à Zarif, faut que tu lui poses la question. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. C'est même franchement cool, d'ailleurs. T'as déjà vu un truc pareil? Un système entier d'augmentation caché délibérément? J'en sais rien, Jensen. Je veux dire, je sais que le marché noir peut frapper n'importe qui. Genre, tu t'endors à Prague, tu te réveilles à Shanghai. Mais d'habitude, c'est plus pour extraire des augmentations, pas pour en rajouter. C'est quoi la différence entre ces augmentations et les autres? Ben, on dirait des prototypes, surtout. Il y a des câbles qui pendouillent de partout, mec. C'est comme si la moitié de toi était... pas testée, pas finie, et surtout pas croyable. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, putain! Pourquoi est-ce que Zarif m'aurait caché ça? Je comprends pas. Je suis pas certain que ça vienne de Zarif, pour être honnête. La technologie en elle-même est hyper sophistiquée, mais l'isolation est carrément bâclée. Et le montage? Le montage a été fait à la va-vite. Je reconnais pas la patte de Zarif, quoi. On dirait plutôt que ça a été ajouté après. C'est bien plus récent que le reste. Mais... à quoi est-ce que tu penses? Je pense que je déteste être dans les vapes. Quand tu dis que c'est récent, tu peux être plus précis. Ah, je dirais que ça a 2 ans, grand max. Il t'est arrivé quelque chose dans ce laps de temps? J'ai été sorti de l'océan et j'ai passé quelques mois dans un centre en Alaska. J'ai aucun souvenir de cette période. Plus j'essaie de creuser, et plus le mystère s'épaissit. Merde, Jensen. C'est super flippant. Ce réglage a pris plus longtemps que j'aurais cru. Finissons-en. Ok. Tiens, voilà des kits de Praxis, pour te remonter le moral. Ça fait toujours plaisir. J'aime que mes clients soient contents. Mais... rappelle-toi bien ce que je t'ai dit, sur la gestion de tes augmentations. Tu vas devoir apprendre à équilibrer ton système. Enfin... sauf si... sauf si quoi, Coller? Il y a peut-être un moyen d'optimiser. C'est juste que... il me faudrait un truc qui est entre les mains d'Otar. Un calibreur de neuroplasticité. Si quelque chose peut me permettre d'utiliser tout ce que j'ai sans compromis, je veux savoir ce que c'est. C'est ce que je voulais entendre. J'achète tout mon matériel dans un catalogue clandestin. Tu vois le genre. Mais... ma dernière commande a été interceptée par Otar Botkovely. Le même Otar dont les hommes cherchaient les livres ici tout à l'heure. Je t'oblige à rien, attention. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que t'aies envie de devenir un dieu augmenté parmi les hommes. Si ça ressemble à un truc qui pourrait t'intéresser... alors... je peux te dire qu'Otar dirige un casino clandestin dans le quartier de Chesty. L'entrée se fait par une petite cour qui donne sur la rue Lavenie. Merci pour l'info, Coller. Et merci pour les kits. Thank you.
Jensen, ici Miller. Écoutez, je vais avoir besoin que vous me fassiez votre rapport le plus vite possible. Vous arrivez quand? Ça dépend combien de flics me demanderont mes papiers. Merde. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour la police après l'attaque d'hier. Recontactez-moi quand vous pourrez. Terminé. Magnifique. C'est pas une vie, ça. À moins que vous cherchiez les ennuis, allez voir ailleurs. Je suis comme ça. Juste des déchets, d'habitude. Des câblés et des NGFNs. Est-ce que le futur vous angoisse? Est-ce que vous cherchez un sens? Votre
Pokud zaznamenáte podezřelou aktivitu, obraťte se na státní policii. Je to vaše občanská povinnost. Et comme toujours, le changement naît dans le sang et la douleur. L'avenir plein d'espoir s'annonce. Venez, pèlerins, n'hésitez pas. Dites adieu à la peur. Cache-toi mes papiers. Cherche quoi ? Je me suis fait arrêter par Draomir à un poste de contrôle. Je viens de sa part. Il paraît que vous aidez les augmenter pour leur permis, en les améliorant. Le pognon ? Peut-être bien. Je peux savoir pourquoi je paye exactement. Pour avoir ton nom sur la liste. Milena est en haut. Bosse sur ton beau permis tout neuf. Reviens dans une semaine. Il sera prêt. Moyennant les frais de prise en charge. Et combien les gens paient pour ça ? Ah, les gens, les augmenter. T'as combien sur toi ? Mon pote m'a dit que ce serait gratuit, parce que je suis super sympa. Draomir aurait jamais dit ça. Il dirait quoi ? Un truc du genre, arnaque tous les augmentés que je t'envoie et récolte un max de pognon. C'est comme ça que ça marche ? Écoute, donne-moi ce que t'as, et je mettrai ton nom sur la liste. Ça marche comme ça. Milena fait un super bon boulot. Franchement, elle en fait même un peu plus que ce qu'on lui demande. C'est à peu près ce que je suis prêt à payer. Et donc à ce prix-là, j'aurai un beau permis tout neuf ? Crétin de touriste. Tu me fais perdre mon temps, le câblé ! C'est interdit pour toi, ici, le câblé. On veut pas de titre dans ton genre, dans le coin. On devrait tirer ça. Le monde s'est formé de s'éclairer à notre poste de paix. Le personnel est découvert et est annoncé. Qu'après Musica, les affaires reprendraient. On devrait peut-être faire du porte-à-porte pour
bien flippé, ton câblé. Je te couvre. Aujourd'hui, je suis... La ville est humide et dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils s'en sont pris à ce vieux câblé. Je sens que la nuit va se finir. Programme de suivi lancé. Accès permis. Thank you.
si vous voulez... Pitié, ne me tuez pas. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Des travaux manuels? Je crois que vous bossez pour ces escrocs là-dehors. À moins que ce soit le contraire. Je voulais pas être une arnaqueuse. Disons, un service social pour les mécontents. Pas d'augmenter laissé pour compte. Ça ressemble à de la contrefaçon. Je déteste ce mot. Je préfère activisme graphique. J'aide des gens à être d'autres gens. Et franchement, allez vous faire embaucher avec contrefaçon marquée sur votre CV. Vous trempez dans une magouille qui profite des gens et vous vous inquiétez pour votre CV. Non, non, je me suis mal fait comprendre. Oui, ma carrière est importante, mais ça ne fait pas tout, et je le sais. Je deviens nerveuse quand je stresse, et je stresse quand... ce qui fait qu'empirer les choses. Bon, écoutez, j'ai aucune raison de flipper avec vous, hein. Vous êtes dans mon camp, pas vrai? Vous faites partie des gentils. Vous êtes pas comme Draomir. Je suis pas là pour vous faire flipper. Je veux juste que vous m'expliquiez. Je veux des détails sur ce qui se passe ici. Des détails? Bon, ok. En fait, j'essaie d'aider mes amis augmentés. D'après ce que j'ai vu, vous promettez de faux papiers aux gens pour les escroquer. C'est ça pour vous, les aider? J'aime pas les escroqueries. Non, je vous jure, je suis totalement contre les escroqueries. Ben voyons. Je vais mieux vous expliquer. Le gouvernement imprime ses permis officiels tous les mois. Mais comprenez-moi, ils ne les vendent qu'à leurs amis riches et aux militaires. Les autres augmentés se font virer de la ville parce que leurs documents ne sont pas à jour. C'est exactement ce qui est arrivé à mes amis. Un gouvernement corrompu, contre le crime organisé, et des gens normaux au milieu. Un grand classique. Quand j'étais seule, je ne faisais rien payer. Mais Draomir est arrivé et a monté toute cette opération, avec de faux contrôles et des tarifs insensés. Je voulais pas être mêlée à ça. Je voulais arrêter. Fallait le faire. J'avais peur. Draomir menaçait de me tuer. Il me regardait, comment dire, un peu comme vous en ce moment. Vous allez pas me tuer, hein? À votre avis? Je sais pas trop. Écoutez, le vrai problème, c'est Draomir et son poste de contrôle. S'il n'était pas là, les autres ne sauraient même pas vendre de la limonade. Mais vous pourriez... Vous me suivez? Vous croyez que je bute les gens comme ça? Ah non? J'étudie toujours toutes les options. Alors, poignardez-le. Faites-lui peur. Ou incitez la police à faire son boulot, je sais pas, moi. Draomir a parlé d'une policière qui l'a menacée. Elle traînait près de son poste de contrôle. Qui sait? Finalement, il y a peut-être un flic honnête à Prague. Ça me semble plus sûr, en effet. Sinon, vous me demandez de m'attaquer à une bande de types en uniforme. Arnaqueurs ou pas. Toute la ville vous tomberait dessus. Mais bon, je vous laisse voir comment vous préférez procéder. Je vais tâcher de m'occuper de Draomir. Mais soyons bien clairs. Vous allez arrêter de faire des faux papiers, ok? Je déteste avoir des ennuis. Et par-dessus tout, je déteste que des gens souffrent à cause de moi. Plus jamais je ne ferai de faux papiers. Sauf si... quelqu'un en a vraiment besoin. À ce moment-là, je ferai une exception. C'est vrai, quand on sait qu'on peut aider les gens, il faut tout faire pour, non? Ça dépend de ce que vous avez en tête. Mes faux papiers peuvent vraiment tromper les autorités. Enfin... Enfin quoi? Draomir inonde la ville de faux papiers. Alors ils les cherchent. Ils ajoutent des scanners, des numéros de validation. Si un de mes permis n'est pas activé dans la base de données de la ville, le document n'est plus qu'un bout de plastique. Vous êtes en train de me dire que les gens payent pour de faux papiers et qu'ils sont déportés quand même? Ça n'arrive pas forcément. Je viens de terminer deux permis. Et je crois qu'on peut vraiment aider ces gens, si vous m'en laissez la possibilité. Vous voulez bien? D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'appelle Edward Broad et Irene Kabauer.
Draomir voulait leur faire payer 20 fois le prix normal. Mais vous pourriez leur donner les faux papiers. C'est Noël avant l'heure. Mais vous me dites que c'est du plastique, les gens sont déportés quand même, en quoi ça les aide? Je crois savoir comment les activer. À condition que vous marchiez avec moi. D'accord. Je vais trouver Edward et Irenka. En attendant, vous pensez être en sécurité ici? Quand ils sauront que Draomir a eu son compte, les autres me laisseront. C'est lui qui me fait peur. Je me suis occupé des types dehors. C'est plus un problème. Merci. Dans le genre militaire mystérieux, vous êtes plutôt sympa. Au fait, il y a un coffre là-bas. Ils mettent l'argent dedans. Je vous donne le code. 2489. Allez donc vous servir. Et vous? J'ai une longueur d'avance. Yannick Rocker, responsable de ce massacre à grande échelle. Adam, merci de m'avoir rappelé. J'ai appris pour l'attentat à Prague, c'est vraiment... J'ai pas besoin de votre compassion, Sarif. J'ai des choses importantes à vous dire. Un médecin a trouvé des augmentations cachées dans mon système. Hein ? Des trucs expérimentaux.
Vous n'avez rien à me dire à ce sujet par hasard. Madame, vous savez que les décisions que j'ai prises pour vous il y a 2 ans... Oui ou non? Non. Tout ce qu'on a fait sur vous, c'était dans les règles. Je vous en donne ma parole. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, au juste? Des augmentations expérimentales cachées dans mon système. Coller a parlé d'une coque en néodyme. Qui peut avoir conçu une chose pareille? Mon Dieu, vous avez un titan? Mais c'est impossible, c'était juste un concept. Vous venez de me dire que c'était pas vous. Parce que c'est le cas. La Défense m'a montré des schémas il y a 3 ans et m'a demandé si c'était faisable. C'était l'idée de quelqu'un d'autre. Vadim Orlov. On l'avait vu en entretien avec Megan, mais il ne faisait pas l'affaire. Ces schémas, vous n'en auriez pas gardé une copie par hasard? C'était top secret. Je n'ai jamais eu de copie. Si j'ai pu les voir, c'est uniquement parce que le ministère de la Défense voulait mon avis. Sarif Industries travaillait bien à l'époque. Quand on validait un schéma, c'est que c'était du solide. Orlov? Ça sonne russe. C'est qui? Pourquoi il ne faisait pas l'affaire? Il passait pour un jeune prodige. Un as de la neuroscience. Il a eu sa maîtrise à Moscou, son doctorat aux États-Unis. C'était un élève brillant, mais ses théories étaient parfois douteuses. Megan avait des doutes sur son éthique. Megan? C'est vraiment ce qu'elle a dit? Alors qu'elle vous a donné mon ADN pour vos expériences? On ne l'a pas engagé, Adam. Il m'a suffi de 2 minutes d'entretien pour comprendre qu'Orlov ne supportait pas que ses idées soient remises en question. Surtout par une femme comme votre ex. Il faut que je retrouve ce type. Écoutez, laissez-moi le trouver pour vous. Je pars bientôt pour Londres. J'ai rendez-vous avec Nathaniel Brown et le groupe Santo là-bas. Mais je peux téléphoner, contacter des gens. Sarif Industries n'existe plus, mais j'ai encore de l'influence dans certains milieux. Très bien. Contactez-moi sur Infolink si vous avez du nouveau. Vous pouvez compter sur moi. J'ai toujours regretté d'avoir perdu le contact après Panchaya. Quand j'ai su que vous étiez à Détroit et vivant, 1 an après que tout le monde vous ait cru mort, vous auriez pu donner de vos nouvelles. Impossible. Les sauveteurs m'ont repêché dans l'océan et largué dans un centre de premiers soins en Alaska. Personne ne savait qui j'étais. Et pendant longtemps, moi non plus. Dieu, vous croyez que... C'était peut-être quand... Trouvez Orlov, Sarif. Je veux des réponses à mes questions. Oui, je vous le promets. Je vous rappellerai. J'aime bien votre look. Putain, j'en peux plus de trembler. C'est pas parce que Draomir... Comment ça va? On devrait doubler nos prix. Taxe d'attentat. Alors là, ta carte maintenant. C'est moi qui manie le feu. Vraiment à tous les jours souvenirs. Pense à rester discret. Les poches. Ils sont trafiqués.
dire ça de devant mon nez. J'ai des recettes de la journée. J'ai eu.